sortie du cinéma. Salut, bienvenue dans le Before 5. Salut, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour tous les étudiants retardataires qui n'ont pas encore trouvé leur job d'été. On vous présente 5 catégories de taf qui pourraient vous plaire. Première catégorie, c'est les jobs d'été classiques. On a tous connu quelqu'un dans notre entourage qui a été serveur pendant l'été. L'avantage, c'est que tu peux partir un peu partout en France et que tu peux aussi un peu profiter de la fête. Après, il y en a un autre, c'est d'être ramasseur de cerises. Donc là, c'est peut-être un des jobs où il y a le plus de postes à pourvoir. Il y a aussi un job idéal pour les passionnés de culture et d'histoire, c'est guide de musée. Et enfin, il y a distributeur de publicité ou d'annuaire, donc faut avoir des gros bras, mais bon, c'est un des classiques de l'été. Deuxième catégorie, les jobs d'été les plus cool. Alors par exemple, il y a dog sitter. Tu vas promener des chiens toute la journée, tu t'occupes de chats, t'es tranquille, pour tous ceux qui aiment les animaux, c'est le top. T'as aussi vendeur de glace sur la plage, bon c'est cool, tu vends des glaces et puis surtout tu peux bronzer. Bon après il y a vendeur de snacks aussi, mais pas n'importe où, dans les parcs d'attractions. Bon ok, t'as un peu chaud toute la journée, il y a quelques clients qui te gueulent dessus, mais à la fin tu peux profiter des attractions gratos et ça c'est top. Et enfin il y a photographe de plage, un job où tu peux te faire plaisir. Allez donne tout là, donne tout. Allez, comme ça. Ouais. Troisième catégorie, c'est les jobs d'été pour les sportifs. Alors, il y a un premier job qui peut être cool. Si t'aimes bien marcher et que tu veux profiter du bon temps, c'est caddie de golf. Il y en a un autre, c'est animateur dans un club med. Tu profites des vacances et en même temps, tu gardes la forme parce que tu fais décorer, tu fais participer les vacanciers. Donc voilà, tu restes en forme. Après, il y a vendeur dans un magasin de sport. Par exemple, chaque été, Decathlon, Intersport ou Sport 2000 recherchent pas mal d'étudiants pour travailler. Donc ça peut être un bon plan. Et puis le dernier, si t'as envie de te faire un peu les jambes, c'est vélo-taxi et c'est pas tous les jours facile. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des jobs d'été top rémunération. Alors par exemple, t'as testeur de produits ou client mystère. Donc là, on t'envoie dans des restaurants, dans des bars, et tu testes les services, tu goûtes les produits, tu dis ce que t'en as pensé, et en plus c'est super bien rémunéré, donc tout bénef. Un deuxième job intéressant pour gagner un peu d'argent, c'est caissier de péage. Caissier de péage, tu peux te faire pratiquement 2000 euros sur un mois. Donc bon, par contre, il faut rester un peu dans une cabine au chaud, mais ça peut être cool d'avoir 2000 euros. Un autre, c'est reporter de festival. Donc là, tu travailles avec des agences de photos, de vidéos, et puis tu profites du festival, tu prends les meilleurs clichés et voilà, c'est super bien rémunéré. Et enfin, il y a un boulot que tout le monde connaît qui est maître-nageur. Maître-nageur, ce qui est cool, c'est que tu peux profiter de la plage et du soleil et en plus, tu peux te prendre pour Pamela Anderson. Alors, la dernière catégorie, c'est les jobs d'été improbable. Alors le premier job, c'est chef de manège. C'est peut-être la seule occasion pour toi d'attraper la queue du Mickey. La deuxième, c'est d'être castreur de maïs. Bon, c'est un peu particulier, mais je pense que pour savoir ce que c'est, le mieux c'est d'essayer. La troisième, c'est d'être lecteur dans une maison de retraite. C'est un taf plutôt cool pour ceux qui aiment être au contact des personnes âgées et faire du lien social. Et la dernière, et là je pense que c'est peut-être le job le plus improbable, c'est d'être animateur pour un téléphone rose. Si, si, ça existe. Stix téléphone rose, bonsoir. Salut bébé, j'ai rien de prévu ce soir. Qu'est-ce que t'as à me proposer ? Ça tombe bien, on va faire une soirée d'intégration. Et je peux te dire qu'on va en intégrer des choses. Si tu veux retrouver des jobs étudiants tout au long de l'année, rends-toi sur notre site jobs.stix-students.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et abonne-toi. Première catégorie. Non, je suis ravi. Faire des fraises. C'est vraiment le job cool. C'est aller ramasser les cerises, les fraises, les pommes de terre. Pourquoi il rigole lui? Qui a galéré sous le soleil. Non, c'est mort, il est chez moi, lui. Je l'utilise pour faire ma vaisselle. T'es un ouf ou quoi? Serveur, dès que t'entends serveur, tu fais... Tout en France. De la fête, et tu peux partir partout en France. Cette impression, Fab, après cette prise? J'espère que je vais gagner au moins un million de dollars pour cela. Ouais. Un million de dollars. Un peu partout en France, si tu veux. Ah, c'est une chèvre. Je vais aussi un peu profiter de la fête. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Bonsoir bébé, j'ai rien de prévu ce soir. Le bébé est pas terrible. Dis donc, la vidéo t'a plu? Alors abonne-toi.